Christ. Donc il n'y a pas pour Haïti, hein, pour que même chez la caillou, l'honnête volant, les faits crimes, c'est dans prisonnier. Ici, tous les jeunes des volants, les faits crimes, et toute l'équipe qui assassine ça, qui fait crime, crime de sang et crime financier, nous devons trouver des barreaux. Et peuple là, pas faire, pas tout ça. Tandis que peuple a décidé de se pays d'Haïti, c'est la même chose américaine, c'est la même étranger pour y être bien nous. Sans ça, nous là, pour nous venir réaffirmer, décider que le peuple haïtien, pour nous laisser la main, pour nous dire non à appui indécent, raciste, que l'Amérique, l'ONU, l'OEA, comme Jordan Moïse, et que le peuple là, décide, appui ou pas, nous devons aller jusqu'au bout de l'Oumeya, pour nous rejoindre, pour tout ce que je dis. Gayen Dumé Réginal qui s'est représentant à l'Indien populaire qui était présent dans cette salle fait qu'on est là, c'est un message je viens voyer par le gouvernement américain avec le nouveau président américain Joe Biden ensemble avec Kamala Harris pour suspendre voyer une série diplomate en Haïti qui a soutenu moun qui a fait corruption massacre et la trier dans l'état militaire politique n'a tout profité dénoncer responsable dans la police en lit qui a fait répression sous population chaque l'air yo prend la ria pour yo manifester en côté du mais régional. Non, la jeunesse, non, la population haïtienne, non. Nous venons là pour nous donner un message clair par le congressman, par la population américaine. Non. Pour nous dire, ok, là, on dit, j'en ai diplomate, ça, pas vrai en Haïti. Parce que nous voulons recevoir corrompus, corrupteurs. Il y a un monde comme Mme Simpson, je dis à qui trompe, cap renforcer, ça, on est dictature dans le pays, cap renforcer la corruption à travers Jovenel Moïse, comme un massacre, cap massacre petit peuple. À travers toute génération, dans tout quartier populaire, dans tout secteur, nous avons subi, c'est souffri. Je dis à nous voyons un message à clair pour nous dire, département d'État, Haïti, nous n'avons pas de problème constitution, nous n'avons pas de problème élection, nous avons un problème dictature qui envahit le pays. Nous avons un problème avec un massacre, un assassin qui campait pour assassiner les gens sous toute forme dans le pays. Nous avons un problème avec des corrupteurs, comme Jovenel Moïse, qui a enchaîné à travers le gouvernement. Des droits de l'homme, les gens qui ont fait kidnapping, ils ont fait servir comme instrument pour être capable de gagner le pouvoir. Et je dis à fond de vous un message à vous, congressman, pour nous dire clair, peuple haïtien, jeunesse la voie, dit nous que le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Actuellement, c'est un de facto. Eh bien, ensemble, organisation, ça a été prise devant l'ambassade américaine à Yajudia. Eh bien, gagnant, j'en ai dit là, autorité américaine qui yo même encore renouvelé l'engagement pour capable yo parler là pour supporter on dit président ben président supporter pour voir que là dans organisation élection crédible honnête transparent dans pays bien gen chef diplomatie américaine qui à la fois secrétaire d'état américain qui c'est Anthony Blinken dans audience qui était organisé devant comité affaires étrangères chambre représentant états-unien yo t'a posé question mais t'a posé question sous ensemble action. Ça a l'action autoritaire anti-démocratique que président Jovenel Moïse a posé en d'un pays là. Mais il est clair, la réponse dit que yo prêt. Il promet là pour accompagner président, pouvoir en place là, pour organiser l'élection crédit bonheur tout bien dans la prochaine élection qu'a fait en un pays. Les gars, pour si pour le pays a besoin s'en aller, il y a une autre voix, il y a l'autre l'État en tête qui. Et l'État ça qui peut permettre que la population lui-même li aller en souffle. Et pour ça arriver fait, faut gagner élection libre, équitable, qui est organisée pendant année en un pays. Élection dans le niveau législatif, on dit bien député et sénateur. Élection à niveau présidentiel, côté pour capable un président qui élu qui remplace le président Jovenel Moïse. Élection à niveau municipalité, non collectivité, au cas avec délégué de ville. C'est ça, Anthony Blinken lui-même, lui, est dit dans l'intervention, dans l'audience qui était organisée, d'ouvrir comité affaires étrangères et une chambre représentant les États-Unis. Anthony Blinken qui croit que lui-même qui est chef du département d'État, lui clair pour le dire que, mais lui chargé affaires étrangères avec parole ça, l'imandé avec correspondant Andy Levin, sous gouvernance liant pour, surtout par façon que pouvoir amener back pays. Mais il croit que Jean-Pierre a parlé là, ça qui est important pour faire dans là, c'est organiser élection crédible, honnête. Et encore, lui promettre que bien dit États-Unis parle là pour capable supporter élection libre, honnête, démocratique en d'un pays. États-Unis, encore, qui croit, je dis à la, fuck population lui-même, ou bien fuck dirigeant, fuck ensemble acteur, mettre prince chimé élection
puis capable permettre que pays à lui-même ligue en l'autre l'état gon l'autre gouvernance dans tête li pas de reconnaître tout pouvoir ça qui là bon gens la mener bas pays il y a un ensemble de décisions autorité ensemble de décisions antidémocratiques que président Jovenel Moïse à toute reste équipe liant apprend dans tête pays mais Marcel l'autre nouvelle encore pour nous partager avec auditoire journal Mega Matin gagné premier ministre Joseph Jout premier ministre Joseph Jout et d'après était ça que le nouveliste lui-même dit rend public et d'après ça journal le nouveliste lui-même rapporté là dans Texas côté premier ministre Joseph Jout l'y présenté avec le président républicain les démissions PM nan Jout l'y présenté avec le président les démissions maintenant les démissions ça pas gain date là dedans elle dit pas gain date vraiment bon mon cap fonctionner en question de travail qui fait droit nous ta capable dire est-ce que PM nan ban préavis ou bon est-ce que ban préavis pour ta dit l'annonce président moi j'aime pas là non à un jour chercher au monde pour capable mener bac ensemble avec c'est ça ta capable dire. Eh bien premier ministre Joseph Jout l'y présenté lettre de démission avec le président Jovenel Moïse à nan bureau li nan en occasion conseil ministre qui est organisé mercredi passé à la mercredi semaine là et démission ça que président li pas accepté pouvoir président pour accepter démission que PM nan lui-même li présenté dans lettre là et premier Joseph Jout qui toujours prêt li prêt dernier temps ça li prêt pour plier bagage pour li quitter tête primatia d'après ça que et bien journal le nouveliste lui-même rapporté d'après en source que lui-même li capable faire confiance pour répéter journal le nouveliste PM Jout li toujours prêt pour le quitter dans situation que le trouver dans situation est très critique de crise ça veut dire que par rapport avec sa capacité là Jean et l'état ça mené là Jean on dit la président senti que pour les mêmes qu'on désaccord qu'on cohérence dans mi-temps la primature et la présidence et en pile monde t'es fonti parler sous ça concernant déclaration PM nan t'es fait la fois passée pour t'es dit bon communiqué t'es sorti pour toute machine DTT kit machine officielle avec un nouveau plaquant et machine code diplomatique et nous t'étendons dans diverses radios, même la Sumiga, mais secrétaire général conseil ministre, Renal Lubiris, qui t'a fait une caravane médiatique pour te montrer que solution, c'est pas d'éteindre vite machine, mais c'est plutôt prendre l'autre mesure pour empêcher que ravisseur kidnappé ou entrer avec nous. Ça veut dire, grand plus monde qui t'a dit, mais derrière, Renal Lubiris, c'est pas lui-même en soi qui décide et en dit, fait à coup taxe avec le premier ministre, c'est plutôt, go bad kabede là, qui c'est la présidence, puisque que l'on dirait dans le Bériste à Palais National, les amis auditeurs, je n'ai pas méga matin, livre les 10 salles, les 10 tout ça qui est dans le Bériste. Encore, c'est bras fort, hein? C'est bras fort, président Jovenel Moïse. Et malgré toutes les questions journalistes posées, il dit non, pas de bataille, ça va rien, pas de question bataille. Bon, faut nous dire bien. Voilà, c'est un signal qui était voyer par le président qui après pour démissionner n'importe moment, pas oublier. J'en ai dit là, Renal Lubiris était dans le conseil ministre, monsieur Tévelé. Alors, Renal Lubiris en parlait, Tévelé montrer Lubiris n'est pas attaché à job là. Président Kameteda, bon, c'est ça, nous comprenons que, sauf que, j'en dis bien dans le conseil ministre, Renal Lubiris était présent, ça veut dire que tu as vraiment gros discussion, information que nous sommes capables de faire confiance, tu as gros parler entre et PM Jout et puis Renal Lubiris dans le conseil des ministres, mais PM n'a clair sous ça, il montait avec le président, il montait avec toute l'autre équipe là, qu'elle pas attaché avec Diop dans le pays. Puisqu'elle dit lui-même, depuis jeune garçon, l'après-midi, la travail, il va couiner pour nègre, il n'a passé, dit li, respect li, en papier. On avance avec l'information de Marcel Joseph dans le journal Mega Maté, qui est plateforme nationale secteur populaire haïtien, qui est dans tête, les dieux donnés, les rissons, qui critiquaient en partie l'opposition, qui plutôt a fait promotion, transition, au lieu d'aller dans l'élection, responsable Plans pas, Dieu donné les rissons, longer et toute longueur son série secteur, l'idée qui prend prétexte, il a mobilisé contre dictature, puis il a fait échec à projet changement constitution. Dieu donné les rissons, t'es profité, bata bravo pour décision qui prend pour déteindre toute machine dans le pays. En écoutez, Dieu donné les rissons dans le micro, Jean-Philippe Masséan. Parti Plans pas a rencontré la presse jeudi, dans l'objectif pour nous continuer à demander peuple haïtien qu'à l'égel parce que il y a une frange dans l'opposition politique là et dans la société civile là qui parle élection rive fête dans le pays là, pour renouveler personnel politique yo dans le pouvoir l'état yo yo a fait promotion transition pour être capable continuer finir avec tirer ça qui était pour peuple là. Opposition politique là, avec nous frange dans la société civile là, décide de mobiliser
sont un faux prétexte pour combattre la dictature, mais c'est plutôt un objectif pour empêcher le pays à gagner. Ils ont l'autre constitution. Parce que la constitution 1987, là, c'est le seul moyen qu'ils ont gagné pour que le pays a une instabilité politique, instabilité économique et instabilité sociale. Et pour continuer, que le peuple haïtien a une insécurité, kidnapping et pauvreté. Dans l'optique, ça, parti PLANSPA appuyé sans réserve. Décision, gouvernement République la prend pour interdire toute machine circuler avec vide tête. Parce que tout kidnapping qui fait dans le pays, c'est dans vide tête kidnapper yo, transporter victimes. C'est dans vide tête kidnapper yo, aller chercher l'argent dans les mains par un victime. Yo. Parti PLANSPA a appuyé sans réserve décision gouvernement prend pour interdire toute machine circuler sans vite tête, sauf machine président que peuple a bail mandat avec première dame non, qui fait partie de coupe présidentielle là avec machine chef la police là. Je dis à kidnapping non menacé fondement sociétaire. Décision que le gouvernement prend pour machine circuler sans vite tête, c'est une décision qui est à voir avec sécurité nationale. En matière de sécurité nationale, le président de la République a des provisions pour prendre toutes dispositions pour protéger l'intérêt national. Professeur Dieudonné Lérisson, Nekvan, ancien candidat pour poste député dans la commune Marico. Plateforme nationale secteur populaire haïtien réclame quota 45% intégration FAMIO dans l'État dans la nouvelle constitution. PLANSPA croit c'est une violation les constitutions amendées à t'émettre quota 30%. Dieudonné Lérisson croit en pile pays fait gros succès grâce à leadership FAMIO dans la société. En côté, Dieudonné Lérisson. Dans la même optique, ça, parti PLANSPA profiter. Occasion ça pour nous dénoncer comment constitution 1987 là version amendée violée droit femme haïtienne côté dans article 17.1 législateur fixe quota pour femme yo intégrer espace décisionnel pouvoir public yo à 30%. Ça c'est une violation flagrante droit femme yo. Alors que FAMIO représentait plus que 52% de la population. PLANSPA, en tant que parti politique qui a fait promotion, participation politique femmes, jeunes et handicapés, recommandé autorité de l'État pour mettre un quota 45% en faveur FAMIO dans le projet nouvelle constitution. Parti PLANSPA quoi? C'est femme la partie PLANSPA quoi? Si femme en tant que maman petite gagne plus espace dans le pouvoir décisionnel, le peuple haïtien a sorti en bas insécurité, chômage et pauvreté. Parce que en pile pays dans le monde là, non, en pile pays dans le monde là, côté femme gagne en pile espace dans le pouvoir décisionnel, gagne en pile justice sociale. Et puis économie, pays ça yo, yo très solide. Nous t'apprenons des pays, Tankou, Norvège, Danemark, Finlande, Nouvelle-Zélande, c'est des pays côté que femmes occupées en pile espace dans le pouvoir décisionnel l'État yo, et bien pays ça yo, et en pile justice sociale, pas de chômage, économie, pays ça yo, solide. N'avancez avec information là, gagné un coordonnateur général collectif 4 décembre, qui c'est Jean-Robert Argan, qui dressait une table somme sous situation globale paysan. Jean-Robert Argan critique l'autorité dans l'État, il dit qu'il d'après lui pas jamais posé action pour freiner Jacques Bandio qui passe six semaines mettait de l'eau dans le citoyen en de paysan. Défenseur de monde qui t'a réagi sous mes ICSP n'en prend pour interdire machine, c'est qu'il est à vite teinté, croit, mais si ça a été droué, concerné toute machine en de paysan. En côté, déclaration, Jean-Robert Argan. Bon, nous comprenons ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas gagné
et gouvernement ou des autorités qui appréhendent problème sécurité citoyenne vraiment de façon efficace. C'est que groupe bandit a gagné un pays, le kidnapping, c'est une expression banditisme qui n'a pas gagné du terrain, et nous ne savons pas que l'État gagne vraiment aucun contrôle sérieux de territoire là, ni aucune action de protection efficiente de la vie ou des biens du citoyen. Nous voyons dernièrement, c'est que le premier ministre a fait un mouvement pour accepter que la PC est gérée. Nous pensons que peut-être c'est une bonne chose parce que au moins, il y a les visages qui sont plus ou moins découverts. Mais mesure ça pour nous-mêmes, ce n'est pas une mesure qui a vraiment baillé totalement le résultat. Hein? Parce que par mesure que nous voulons exception de des mesures, de des conditions pareilles, de situations pareilles, nous voulons exception de ça, c'est fini, mais je n'ai pas de valeur. Parce que c'est comme ça, c'est comme si on a pénalisé un certain monde, mais on ne peut pas guérir le problème côté lié. Lorsque nous mesurons, quand on dit que c'est une catégorie de monde, on a détecté des machines, ou une autre catégorie qui a bien détecté, ne prend rien d'une ces catégories qu'on dit qu'il y a des activités qui n'ont pas eux-mêmes qui ont fait mauvaise action. Il faut que la loi s'applique à tout le monde indistinctement. Et il faut enlever au moins cette suspicion qui est créée par l'autre citoyen qui fait comprendre que l'autre monde qui vient dictateur des lois fait sa passe à eux. Et voilà, c'est déclaration Jean-Robert Hagan, enfin nous dit militant droit maintenant, toujours Jean-Robert Hagan, plaidé à faveur, s'en est une nouvelle équipe en tête l'État, parce que, d'après les gens qui l'ont échoué dans la mission, pour améliorer les conditions de vie, population haïtienne, non? Dans ce sens, Jean-Robert Hagan, conseiller citoyen, pour choisir les gens qui sont capables pour représenter dans le poste électif, société civile, l'endroit impliqué au plus dans les affaires politique pays d'Haïti, d'après ça, monsieur Hagan lui-même l'y a ajouté. En écoute, Jean-Robert Hagan pour une deuxième fois dans le micro, Radio Méga. Qui sont absents sur le qui gros, nous pas continuer des problèmes qui aident. Il faudra changer de toute façon de comportement, et ce comportement, il faudrait que lui commence par changer le monde cap division. Mais si c'est même le monde cap division, ce sera le même comportement, on va avoir le même côté. On va continuer de chier au pit et ne va jamais aller vers l'évolution. Le pays va continuer de dégringoler, j'en ai dégringolé sans aucun espoir. Il faut aller certainement vers un changement d'équipe de gestion, d'autorité de gestion pour remplacer celle qui va finir finalement et aller vers de nouvelles élections, sachant qui choisir. C'est parce que j'aime comme ou bien toujours choisir, ou bien toujours imposer. Pendant tout le sujet, ça, M. Hagan, concernant la crise politique là, que vous souhaitez évoquer là, et nous connaissons là une grande bataille qui, depuis des années, là, qu'a fait dans la société civile, là, beaucoup de dirigeants politiques dans l'opposition, et surtout, dernière bataille, ça qu'a fait là, concernant mandat président, acteur clé sur ça, que mandat président bout depuis 7 février 2021, selon article 134-2. Kounya la, crise li a persisté et jodi a la, li impacté ou ensemble notre secteur dans la vie nationale. La. Comment est nous capables de résoudre crise et s'il est capable de résoudre, c'est qui est capable de résoudre? C'est prendre conscience, par exemple, que le mandat est fini, prendre conscience qu'il nous faut aller vers des élections pour trouver pour qu'on nous capable de faire classe politique avec des gens compétents et à la hauteur. Nous pensons que c'est ça que nous demandons. Nous demandons que nous mettions pays, que nous mettions pays devant tout acte qui va poser. Et dans ça,